Bon, qu'est-ce qu'on va... Attends, j'ai combien? Attends, mais c'est... Il faut que j'achète Zach. Qu'est-ce qu'on va acheter? Achetons... Oh... Renata. Je pense que c'est un signe. Le truc Dodge, il me laisse pile poil assez de temps pour acheter Zach et je suis autofill support. Alors que j'ai voulu acheter Renata, il m'a fait acheter Zach. C'est un putain de signe. On va jouer Zach AP support. On va quand même regarder si... S'ils s'en foutent de la game, en effet. je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. Quelqu'un qui est MVPS sur les 10 dernières games, je n'ai jamais vu ça de ma vie, je crois. Alors, certes, il duo Q. Ah ouais, duo Q quand même avec des Yumi et tout, des fois. Ah, mais pas que, hein. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Le level du gars. Bah attends, mais je vais pas troll avec Zach. Hein. Je vais jouer la game. Hein. Lui, il a envie de gagner. Hein. Holy shit, j'ai envie de le sup. Là, si j'avais Yumi, je serais parti Yumi. Ah, oh, je vais jouer Zilean, mec. Oh, si la game se lance pas. Non, mais imagine. Imagine, la game se lance pas. Je suis avec le meilleur jungler de l'univers. Je n'ai jamais vu ça. Le mec tryhard. Je regarde pas. T'imagines dans la game qu'on va faire, un, je la perds, et deux, c'est ma faute. Quand t'es avec un mec comme ça, si tu perds une game avec lui, mon gars, ça veut dire que t'es une énorme merde. Parce que pour carry, tu peux carry seul, mais à deux, normalement, c'est easy peasy dans le jacuzzi, hein, vraiment. La régularité du mec, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte. La régularité du gars, c'est incroyable. Insane. Bah, game gagné en passant, hein, évidemment. Pour ceux qui se demandent... Oh, je me demande qui va gagner. Tu me toucheras jamais, tu comprends ça? Let's go. Ok, c'est Gwen. Le top va mourir. Fiora va... Oh, le KSX c'est pile dans le bon timing pour la Fiora, mais c'est un truc de fou. Je vais garder mon W parce que... Non, mais c'est trop... Non mais c'est trop, c'est le meilleur joueur du monde. On joue avec le meilleur joueur du monde, c'est pas possible. Il fait la diff en moins de 3 minutes. Je vais monter le E parce qu'on est pas censé gagner la lane en fait. Je vais juste poke au Q. Ça sert à rien contre une Jhana en fait. Là ça va être juste pour monter mon objet support. Ah bah Zilean, sa faiblesse c'est la laning phase. Hein. Tu vas pas se tomber une laning phase avec Zilean. Hein. C'est pour ça que moi j'aime pas trop le champion. Mais le mid game et le late game est juste... voilà quoi. Bah, de toute façon, vous connaissez League of Legends, hein, quand t'as un bon jungler, la game, tu peux limite la hint, mais par respect pour lui, évidemment, tu vas pas le faire, quoi. Tu mourras pas, tu me toucheras pas, je te le dis, tu me toucheras pas. Oh, les deux. Magnifico, 2-0 déjà le jungler. J'ai même pas eu besoin de jouer. 3-0. Festival. Festival, il fait ce qu'il veut de la game. Mais les gens, jungler, n'oubliez pas, c'est pas le meilleur rôle du jeu, hein. Ne vous inquiétez pas. LOL, je suis mort de rire. We don't suck! Mec, t'as ni flash ni heal! Il est malade ce mec! What the fuck? Par contre. Non, mais moi je vais taper les gars. Eh, c'est un malade! C'est un malade! Le mec il run down, il se fait touche par le sort de la Jhana, il dit ça, mais c'est un fou furieux! Moi j'ai touché tous mes sorts, ça passe stun. T'attends, j'ai un truc qui s'appelle cooldown en fait. Oh le fou furieux! Alors en passant, je ne voulais pas jouer support. Hein. Vous comprenez pourquoi je ne veux plus jamais jouer support de ma vie. C'est parce que les ADC sont des fous furieux. Bah moi je vais jouer avec le jungler surtout là. Je suis désolé de... Je vais sûrement pas jouer avec l'ADC. Je vais jouer avec le jungler. Ah dommage. Elle a ult.
C'était au cas où. C'était au cas où, ok. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le problème de l'ultime en solo queue de Zilean, c'est que là, tu vois, il allait peut-être faire demi-tour en se disant le Zilean va pas me ult, ça va être cringe. Je veux mon MVP, tu vois. Ah, moi, je veux rester avec ce jungler, hein. Moi, je veux juste jouer avec ce jungler. Je me tue. Je me tue pour lui, hein. Non, mais c'est incroyable. La différence de jungle. C'est n'importe quoi. Bon, par contre, malheureusement, je peux pas trop m'amuser avec le Kha'Zix parce que l'ADC, vu son mental, je pense qu'il peut rush quitte la game. Bah, ne joue pas mon ADC. Il a son ultime et tout. Le mec joue pas, genre. XD quoi. Pas besoin de ult, c'est bon. Terrible, 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 terrible. C'est pas grave, moi je vois rien. Moi je vois rien. C'est incroyable, je joue à League of Legends sans vraiment jouer. La OPGG m'a dit AFK bot, mais j'aurais pu AFK, j'aurais pu être bronze 4. Là j'aurais pu amener mon petit chat, j'ai pas de petit chat. Imagine un chat, j'aurais mis mon chat sur l'écran, j'aurais gagné la game. Il est quand même monstrueux, hein. Il est quand même monstrueux parce qu'il est partout là où il faut tout le temps, hein. Il doit être vraiment insane. Et le gars n'a même pas 100% win rate, hein. Il a même pas 70 ou 80, je crois, hein. Quel bonheur de même pas avoir besoin de jouer. C'est tu peux juste relax. Tu sais que la game, tu peux la jouer évidemment, je vais pas int non plus là, tu vois, mais là j'essaie juste de me prendre tous les coups pour lui, pour être sûr que ça se passe bien. Moi, si je meurs, je veux dire, si lui meurt, c'est j'ai échoué ma mission en fait. De rien. Les fights de Zilean, c'est vraiment quelque chose, putain. Oh. C'est vraiment le champion, il fait partie des champions sous-cotés. C'est parce que c'est facile à jouer et c'est trop fort. Il y a juste la laning phase qui est moyenne, mais il faut qu'en face te stompe pour que ce soit pas rentable, Zilean. Mais même quand tu te fais stomp, Zilean reste trop fort s'il y a au moins un joueur qui est bon dans ton équipe, quoi. Vous faites pas la wave mid? Incroyable. Et bah GG. Je pensais pas que mon E avait une aussi bonne portée en vrai, hein. Mais pourquoi je joue pas Medjay en fait? Je devrais juste jouer Medjay en vrai. Et bah GG.
Bizarre hein, le résultat de la game quand même hein. Non. Oh le mignon. La hache, je l'ai vu me couper là. Et bah DLP, mais totalement mérité. Merci au matchmaking de League of Legends. En face, ils avaient pas du tout 0% de chance de la gagner. Unlucky à eux.